écrit. Cela nous bat à la gorge malgré nous. Nous avions besoin de crier. Les mains tendues vers toutes ces chères bêtes qui se balaient, nous la rendions. Sans nous entendre les uns et les autres, jetant au dehors les pleurs et les sanglots que nous avions retenus jusque-là. Ah oui! C'était bien la ruine! Les récoltes perdues, les tailles noyées, la fortune changée en quelques heures. Dieu n'était pas juste. Nous ne lui avions rien fait. Et il nous reprenait tout. Je montrais le poing à l'horizon. Je parlais de notre fromage l'après-midi, de ces prairies, de ces blés, de ces vignes que nous avions trouvées si plein de promesses. Tout cela montait donc. Le bonheur montait, le ciel montait, le soleil montait. Quand il se couchait si doux et si calme au milieu de la grande sérénité du soir, l'eau montait toujours. Oui, Pierre. Si la surveillante qui a loué, mais sur nous, l'eau douce à la fenêtre,